Yo les gars! Bien ou quoi? Tranquille? Ça va? Ok, ça va. Allez, on a sorti le petit polo. Tranquille. Voilà, tu vois, on fait les choses bien ici. On fait les choses bien. Eh, l'anniversaire, on sort un petit truc, tu vois. Tranquille, on s'est fait beau gosse pour l'anniversaire. On s'est fait beau gosse. Bref. Cet anniversaire de Naruto? On essaie le jour J. Le 3 mars. Pour le moment? En un mot? Déçu. Ouais, déçu. On se croirait au nouvel an en fait. Enfin, on se croirait même pas au nouvel an, au mois de décembre en fait, tout simplement. On se croirait vraiment au mois de décembre. Bon, en soi, genre c'est pas. Genre c'est stylé, tu vois, genre c'est bien, tu vois. Mais on s'attendait quand même à mieux, tu vois. Là, entre le mois de décembre et un anniversaire du jeu, genre. Tu vois, genre il y a quand même un petit écart, tu vois. Même si les deux sont assez importants, les deux events sont assez importants. Mais l'anniversaire, voilà, tu vois, il doit être un peu plus haut par là, tu vois. Mais bon. En gros, bon, qu'est-ce qu'on a? Bon, on va regarder qu'est-ce qu'on a. Donc, on a des petits cadeaux, voilà, les petits cadeaux qu'on connaît. Donc, on va pouvoir aller avoir des gourdes. On va pouvoir avoir des... comment on appelle ça? Des armes ninja. Ouh. L'arme ninja de Naruto, des potions d'XP, des matériaux pour éveiller tes personnages, ou alors, enfin quand je dis éveille tes personnages, pour primo de tes personnages, pardon. Primo de tes personnages, et aussi pour tout ce qui est armes, tout ça, bref, t'as capté, j'ai pas besoin de te faire un dessin. Hein. Et c'est très intéressant. Aussi pour avoir des boules UR, donc des petits fragments de Shinobi UR. Sur le Naruto, donc le nouveau Naruto qu'ils ont sorti, mais aussi sur le Naruto Hokage. Sur le Naruto Hokage, ok, donc très intéressant en vrai. En vrai, de vrai, très très intéressant. Il manque plus qu'à le drop en vrai, le Naruto UR, celui qui vient de sortir. Donc très intéressant, même le Naruto UR, très intéressant. Donc on va aller voir. Ils ont sorti ça aussi, ils ont sorti ça, donc les nouvelles, deux nouveaux niveaux pour farmer les gold et les XP, les potions d'XP, et c'est tout, clairement on va pas se faire un dessin, donc on va aller voir ça ensemble, genre, pour moi c'est celui-ci, si je dis pas de bêtises, ouais, il me semble que c'est celui-ci, donc en vrai pour moi c'est stylé, tu vois, parce que bon, je le joue dans ma team, il est que 4 étoiles, si je peux le monter sur 6 étoiles, ça serait cool. À voir combien on en drop, donc on va aller voir ça tous ensemble tout de suite, on va utiliser notre petite endurance. Hop, on va faire ça. Moi, je ferme tout le temps ça. Hein. Genre, je ferme tout le temps ça pour upper les nouveaux persos. Pour upper la box. Donc voilà, hop, on ferme ça 50 fois. Tac, on a le petit truc tout de ninja. Bon, je sais pas pourquoi ça bug comme ça, mais bref, c'est pas grave. On va aller dans la... Là-dessus. On va chercher le truc. C'est pas là-dedans, c'est là-dedans. Ok, donc ça, c'était pour l'anniversaire de Kabuto. Ah, j'ai même pas ouvert. Hop, et on va aller faire ça. On va l'ouvrir ça tout de suite. Donc on en a 57. Donc on va dire sur 57, qu'est-ce qu'on va récupérer? Sur 57, on va récupérer 152 potions d'XP. 22 King Size, les potions, donc les grosses potions. Un weapon de Deidara. Ok, donc ça veut dire qu'on pourrait récupérer plusieurs armes. D'armes différentes perso. 64 XP M. 90 potions, 90 sacs d'eau violet. 3 fragments. Putain, on récupère pas mal de trucs en vrai. 3 fragments, 4 fragments de Kiba. 3 fragments du nouveau Naruto UR. 2 fragments de Sasori SR. 140 potions, ça c'est cool. 2 médailles UR de Naruto. Ah, c'est le médaille UR, donc c'est pas l'autre. Hein, c'est pas le SR, donc c'est médaille UR. Donc on va aller check après c'est lequel. 2 médailles de Naruto Uzumaki. 1 médaille d'Orochimaru. 1 arme de Naruto SR. 2 armes de Choji. Donc c'est le SR, donc Naruto Uzumaki SR, 4 médailles de Naruto Uzumaki SR, une médaille de Sasuke, une médaille de Sasuke, une médaille de Kizame, une médaille de Sasuke Curse Mark, une médaille de Sarada, et une arme de... Putain, on récupère quand même pas mal de trucs, hein. Une arme de Naruto, une arme de Gai, un Nobito, un Jiraiya, et deux Zabuza. Ok, en fait...
on récupère quand même pas mal de choses. En fait, c'est en fait dans les cadeaux, je pense que t'as vraiment tous les personnages. Par contre, le Naruto UR, je sais pas c'est lequel. Alors, est-ce que c'est le gratuit que j'ai pas? Parce que je sais que celui-ci était gratuit pendant un moment. Donc c'est celui-ci, donc c'est bien ça. C'est le gratuit. Ok, donc en soi, il est bien, mais il est pas ouf. Il me semble de tête qu'il est vraiment... Genre, il était bien, en fait, pour commencer le jeu. Genre, à l'heure actuelle... Bon, à l'heure actuelle, t'as 4 fois mieux, quoi. Je sais qu'il était bien pour commencer le jeu, mais c'était un gratuit. Il est free-to-play, ce Naruto-là, au tout début du jeu. Et donc là, il leur donne pour les 1 an. Ok, pourquoi pas, en vrai, pourquoi pas. Vous voyez qu'il me manque quand même pas mal de persos. Pourquoi pas. Mais bon, en soi, genre, pas ultra intéressant. Bon, on récupère quand même pas mal de personnages à côté. Donc, on a récupéré du Jiraiya, comme on a dit. Mais par contre, je suis intéressé de savoir combien de pièces de Naruto UR, moi. On va aller trier ça par Rarity. Et on va regarder sur le Naruto. Sur le Naruto, qu'est-ce qu'on a sur le Naruto? On a déjà 90. On en a déjà 90, ce qui est déjà énorme, en vrai de vrai. On va le primote. Je pense qu'on le jouera. Je pense qu'à terme... À terme, on est censé le jouer, ce Naruto-là. Hop. On va le mettre déjà. Tac. Et on va augmenter ses skills. Je pense qu'à terme, je vais le jouer. À voir. Enfin, pour le jouer, déjà, il faut que je le drop. Mais je pense qu'à terme, vraiment, il rentrera à la place du Naruto Hokage, tout simplement. Je pense qu'il rentrera vraiment à la place du Naruto Hokage. Ça fait toujours un perso... En plus, c'est un très bon personnage, donc... Ça fait toujours un perso, entre guillemets, gratuit... Dans la box. Donc voilà. Dans la box et puis dans l'équipe et surtout bien monté. Donc voilà. Ensuite, on va aller voir pour. Qu'est-ce qu'ils ont rajouté d'autre? Oui, des quêtes, des missions. Bon, moi, je les ai déjà faites, malheureusement. Mais ils ont rajouté aussi des quêtes. Je sais pas. Non, on peut pas les voir. Donc ça va être des quêtes au niveau du Ninja Arena. Je sais pas si on peut les voir ici. Tout mission. Est-ce qu'on peut les voir? Non, on peut pas les voir. Ok, donc vous avez des quêtes aussi à faire, regardez. Vous allez donc du coup dans les challenges. Vous allez avoir des quêtes aussi à faire ici, donc le Ninja Arena. Ensuite, ça change pas. D'ailleurs, faut que je le fasse. Ça change pas. Ça, on l'accepte, ça change pas. Et sinon, le reste, ça ne change rien. Donc, léger pour le moment. Léger, bon, ça reste bien. Je dis pas que c'est un mauvais event, mais ça reste un bon event dans l'ensemble. Mais on s'attendait quand même à quelque chose de mieux sur Naruto. Après, je vais l'ultimer gold aussi. Donc, on s'attendait vraiment à quelque chose de plus intéressant sur le Naruto. On va pas se mentir. À voir après le portail. Il s'en va quand ce portail-là? Le portail du Naruto Sasuke. Il s'en va quand? D'ailleurs, on a fait 3 multis, on n'a rien eu, c'est catastrophe. C'est pour ça qu'on a qu'un que 15 000. Catastrophe. Le portail s'en va dans 12 jours. Et... Ah bah oui, mais oui, vous avez ça aussi, putain. Oh là là, Romain, là, je suis sûr que t'as déjà fait pause sur la vidéo. T'as déjà dit, hey, Romain, t'as oublié les multis d'invocation gratuites tous les jours. Ouais, my bad. Vous avez une multi gratuite à faire par jour. Les gars, vous avez une multi à faire gratuite par jour, donc intéressant. On n'a rien vu. Et ce portail-là s'en va dans 12 jours. Donc dans 12 jours, on est censé avoir un nouveau portail. Peut-être un meilleur portail, on l'espère. Un portail step-up, pourquoi pas. Ça mettrait giga bien, tu vois. Ça mettrait bien. Mais à voir. Sur ce, moi, les gars, je vous laisse. J'espère que la vidéo vous a plu. Un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. C'était Romain. Tchuss tout le monde.